Me revoilà pour un nouveau vlog. J'ai décidé de faire un nouveau vlog aujourd'hui. Mon Dieu, j'ai la lumière dans la face. Je commence un nouveau vlog aujourd'hui avec une soirée en esthétique parce qu'il y a des gens qui ont vraiment apprécié de voir mon quotidien en esthétique. Donc ce soir, j'ai une cliente qui vient faire une pose de cils classique et un lip blush. Donc lip blush, maquillage semi-permanent des lèvres, qui est une nouvelle formation que j'ai faite en novembre dernier, si je ne me trompe pas. Et c'est ça. Donc, on va faire les blushs ce soir. On a trois couleurs ici. Donc, trois couleurs plus dans les teintes rosées. C'est souvent ce qui est en plus en demande présentement dans les blushs. Fait que j'ai souvent un rose soit plus pêche, un rose rose, un rouge rouge. Vraiment des couleurs plus en demande. Fait que j'ai bien hâte de vous montrer le résultat. Dans ce vlog, je vais vous montrer le résultat avant, après du lip blush. Et je vais essayer peut-être de vous montrer... Je pense pas que dans ce vlog-ci, je vais pouvoir vous montrer le temps de après la guérison, qu'est-ce que ça ressemble. Vous allez avoir déjà une bonne idée de avant, après le traitement, qu'est-ce que ça ressemble. Fait que reste à l'écoute, je fais ça et je te montre ça tout de suite. Et bonjour à tous. Je devais faire une petite arrêt, là. Désolée, mon chose dans l'auto, il passe devant le soleil. Ça fait des petits... comme des éclats de soleil, ça va arrêter de bouger. Je devais vous montrer. Je suis allée au Winners, comme d'habitude, toutes les semaines. Et en fait, hier soir, je suis allée jeudi, hier soir, après mes clientes, comme ma routine, toujours, le jeudi soir, je vais toujours faire un petit tour si j'ai le temps. Et j'avais tombé dans moi avec une sacoche. Ces temps-ci, on aurait dit que je suis allée dans une petite... Je voulais une petite sacoche, pas grosse, pour parce qu'on aurait dit que dernière fois, j'ai sorti avec mes amis, puis je ne pas souvent, ça entend, je suis rendue dans ma routine d'adulte et tout. Et quand j'étais sortie, j'ai pas pensé, puis j'avais mon petit sac à dos. C'est genre mon sac à dos, genre Lambert. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai pas pensé à ma chute, fait que j'avais ça sur le dos. Puis je tripais pas à travers tout le monde qui avait d'avoir ça sur le dos, puis de pas pouvoir le surveiller. Puis je me suis dit, ah, je suis niaiseuse. Faudrait que j'ai un petit sac à dos. Ben, un petit sac à dos et un petit sac que je pourrais mettre en bandoulière sur le côté. Petit, genre, tu sais, léger que tu peux juste mettre, mettons, ton cellulaire puis des cartes dedans. Fait que je cherchais ça. Puis j'avais checké sur le site de Lambert puis Matenac pour en avoir. Excuse-moi, il y a plein de monde dans le parking tout d'un coup. J'avais checké sur le site de Matenac puis Lambert pour en avoir. Parce qu'il y avait des promos, mais c'était quand même comme 119$, mettons, tu sais, je voulais un sac quand même flyé, un peu original, puis il y avait sorti des couleurs Lambert comme rose flash, bleu flash, puis genre un genre de lime, et que j'hésitais à en acheter un. Mais là, hier, je suis tombée sur un sac que, honnêtement, je connaissais pas cette compagnie-là. J'ai fait des recherches pendant hier soir en revenant chez nous pour savoir si je l'achetais. Et c'était un designer allemand, donc un designer de Paris, je pense, quelque chose comme ça, un designer, ça a l'air qu'il est full connu à Paris. Puis, en tout cas, toutes ses affaires, c'est vraiment cher. J'ai que sur son site, là, je n'en revenais pas. Genre une sacoche 425$, des affaires de même. Puis, ben, j'ai tombé hier sur un petit sac, genre de la grosseur parfaite comme je voulais. Puis, attendez de voir le genre, là. Pour celles qui me connaissent, vous allez faire « Oh my God, c'est la trouvaille à Annie. » Je capotais, là. C'est un petit sac multicolore comme ça. De face, c'est comme le monsieur. Si vous allez voir sur Internet, c'est Karl Lagerfeld, quoi de même, à Paris. Puis il ressemble vraiment à ça. C'est un monsieur avec les cheveux blancs. Puis c'est ça, c'est un designer mode. Puis en arrière, c'est ça. Tout multicolore. Puis j'en trouve vraiment mignonne. Fait que tu peux la mettre en bandoulière comme ça pour la tenir. Puis en dedans, il y a des places pour des cartes. Puis il y a des places pour un cellulaire, bien entendu. Mon sel, je suis sûre qu'il rentre parfaitement dedans. J'ai même pas testé. Comme je suis niaiseuse. Il est là, je peux pas le tester. Mais c'est sûr, mon sel rentre parfaitement dedans. Je vais mettre mes cartes. Puis je vais sortir avec ça. Puis l'été, ça va être incroyable avec mes outfits. Parce que je mets souvent des couleurs. Comme là, j'ai mis du jaune. Quoi. Je vois ça déjà dans ma tête. Très, très beau. Fait que je me suis gâtée parce que ça fait longtemps que je n'ai pas acheté pour vrai. Je me retiens souvent d'acheter des affaires dernièrement. J'économise beaucoup. On économise sur la maison. J'économise pour des formations. Mais là, écoute, c'était un coup de cœur. J'ai pensé toute la soirée. Fait que je l'ai acheté. La semaine passée, j'avais vu des Doc Martens aux Winners à 160, 140. Je les ai pas achetés. Je me suis contrôlée. Je les ai pas achetés. Mais cette sacoche-là, j'en voulais une. Tu sais, je veux dire, j'en avais besoin d'une bébé sacoche. J'en ai pas des bébés sacoches. Puis c'est vraiment pratique quand tu sors dans le public. Puis tu veux pas traîner trop de choses. Puis que tu veux la garder proche de toi. Pour pas avoir de risque de te faire voler. Fait que je suis très, 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 très heureuse. Genre, vous n'en revenez pas à quel point je capote sur cette sacoche-là. C'est ma vie, là. À quel point elle est incroyable. Ça me donne hâte à l'été en maudit. Fait que c'est ça, petite péripétie de ma trouvaille Winners.
Puis en passant, moi, c'est mon désinfectant préféré. J'allais m'en mettre, là. C'est les désinfectants de Dans un jardin. Je sais pas si... Dans un jardin, il y en a-tu juste à Rimouski? Non, il y en a d'autres. Non, 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 il y en a un peu partout. Moi, j'aime beaucoup lui à l'ananas. Puis je le prends toujours en genre de spray. Fait que je peux le traîner comme ça dans la voiture. Puis quand je sors, ben... Ça sent tellement bon. Fait que juste comme ça, petit plug pour les désinfectants dans un jardin. J'en ai aussi des grosses pompes à la maison, là, mais celui-là, je trippe. Moi, je trippe en avoir dans l'auto, puis les traîner, puis avoir avec moi. Comme ça, quand je sors des magasins, je mets toujours du désinfectant parce que, on a dit, depuis la pandémie, je me lave tout le temps les mains. Ça n'a pas parti ce réflexe-là, et je crois que c'est un bon réflexe qu'on devrait tous conserver. Je manque de voix. Donc là, je m'en vais chez Ritmans. Aujourd'hui, c'est la Saint-Patrick. Donc, c'est ça, Saint-Patrick? La fête verte, genre. Puis c'est 40% sur tout. Là, je cherche plutôt en fait des essentiels. J'ai besoin de chandails unis pour mettre en dessous de des vestons. Chandails peut-être col roulé manche longue, camisole. Je regarde un petit peu pour ça aujourd'hui. Fait que si je trouve. Attends un petit peu. Si je trouve qu'est-ce que j'ai besoin, je vais vous montrer ça dans ce look-ci. On se revoit plus tard. Me revoilà de chez Ritman. Ça a été très dur parce qu'avec un 40%, on a envie de tout acheter là-bas, on va se dire. Tout est beau. Puis en plus, ils ont tellement des belles couleurs. Je trouve que c'est les couleurs full printemps là, qui sont sorties, là. Il fallait vraiment que je m'en retienne. J'ai essayé quelque chose. Ben, quelques morceaux. J'ai essayé de nouvelles jeans. Mais, les nouvelles jeans, j'en ai déjà. Faut que j'en ai pas acheté des nouvelles. Puis le nouveau modèle, moi, je suis beaucoup mom jeans, là. Les mom jeans de chez Ritman, c'est genre mes prefs. J'en ai acheté de toutes les couleurs. Ben, toutes les couleurs, j'en ai trois paires. Fait que c'est ça. Mais les autres jeans qui étaient sortis, j'ai dit, mais moi, je sais pas si c'est la taille, en tout cas, c'était pas pareil comme les mom jeans, fait que c'était pas mon coup de cœur. Mais quand j'étais allée la semaine passée chez Ritman, j'avais vu un genre de cardigan, juste un cardigan, un affaire là, avec des petits boutons au milieu, puis tu peux laisser détacher ou mettre avec quelque chose, puis je trouvais ça vraiment beau, puis c'était une couleur vert comme ça. Puis je trouvais ça vraiment beau, puis je l'avais vu sur le mannequin, puis moi, je paye pas 45$ pour une affaire de même. Mais là, c'était 50%. Donc, ça revenait à 26. Fait que je suis allée l'essayer et je l'ai définitivement acheté. Genre, c'est mon gros coup de cœur. Fait que ça ressemble à ça. Ça, 44,90, mais moi, je l'ai payé 26. Fait que c'est des petites manches longues, il y a des petits boutons, puis tu peux le laisser soit tout boutonné. Moi, ce que j'ai fait dans les séances, c'est que j'ai laissé deux boutons ou un bouton attaché avec un jean, ça va être vraiment beau. Ça, on voit bien la couleur. J'essaie de vous la montrer plus au soleil. Mais genre, le vert est vraiment beau. Puis je me suis dit que mes cheveux, ça va être vraiment beau. Fait que c'est ma petite achète de chez Ritman. Vert comme ça. On voit bien au soleil. Je le trouve vraiment écœurant. Finalement, dans les essentiels, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Je sais pas si... En fait, je cherche des camisoles, je cherche des manches longues. Il y avait comme plus de manches longues. Il y avait... Oh, c'est un air essentiel qui appelle. Il y avait plus de manches longues. Mais juste des manches courtes, en tout cas. Je sais pas si ils vont en avoir. C'était peut-être juste que... Pourtant, il y a des images qu'il y en avait d'habitude. Fait qu'ils en ont juste plus. Mais c'est ça. Puis j'ai pas trop de camisole à mon goût. Fait que tant qu'acheter une camisole à 20$, on n'ajoute pas si on n'en trouve pas notre goût. Fait que j'ai pris ce beau petit cardigan vert-là, vert pomme. Je sais pas trop comment appeler ça. Vert menthe, je dirais. Je trouve vraiment trop beau. Fait que je suis vraiment contente. Fait que c'est tout pour le shopping aujourd'hui. On arrête de dépenser et on garde notre argent. Leçon d'Annie. Mais lui, il était trop beau. J'avais pas le choix. Puis je l'avais vu. Allô à tous, je voulais prendre un petit 30 secondes pour goûter à la gourou rose, la nouvelle avec vous aujourd'hui. Puis là, je suis comme vraiment à court sur mon heure de dîner, mais je voulais absolument vlogger quand j'allais écouter la gourou. C'est la gourou organique punch aux fruits qui ressemble à ça. Elle est rose comme mes cheveux, je capote ma vie. Et je le goûte tout de suite. Ça goûte genre vraiment le jus de fruits. Elle goûte vraiment le jus de fruits. Genre le punch aux fruits. En tout cas, bref, je vous donne les nouvelles un petit peu plus tard dans la journée par rapport à cette gourou. Rebonjour à tous, me revoilà pour une deuxième soirée d'esthétique. Donc, comme vous avez beaucoup aimé mon vlog, que je partageais en fait l'expérience avec mes clientes et tout, je continue sur cette lancée aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on fait un traitement de micro-needling. Donc, celles qui ne savent pas, c'est un traitement de micro-injection qu'on va faire des infusions de sérum dans l'épiderme. Donc, il faut vraiment travailler en profondeur. Aujourd'hui, j'ai une patiente qu'on fait une cure. En fait, la patiente ce soir, c'est ma mère. Je fais une cure avec elle pour travailler au niveau de ses taches pigmentaires, donc pour les réduire et pour travailler au niveau du tonus et de les rides. Donc, un petit peu de tout pour son traitement, mais on travaille beaucoup les taches pigmentaires. Fait que nous, on travaille, en fait, ben, nous, à Clix, on travaille avec les produits de la station beauté.
C'est la Station de beauté, c'est avec qui j'ai fait ma formation à Québec. Je les adore. C'est vraiment une belle, en fait, une belle entreprise qui offre des belles formations en esthétique. Et je recommande vraiment d'aller les voir si vous avez dans l'idée de faire des formations en esthétique. Donc, bref, petite parenthèse. Donc, on installe la salle en ce moment. Là, je vais mettre mes appareils et tout, puis je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Puis, je vais essayer de vous montrer pendant qu'on va faire la séance à quoi ça ressemble. Restez à l'écoute. Petite parenthèse avant que je commence ma cliente. Arc. Il neige. Il a neigé toute la journée. Genre, je suis écœurée. D'après moi, c'est les dernières neiges. Là. Fait que je m'encourage avec ça. Mais genre, j'aimais vraiment la vibe de printemps de ces temps-ci. Puis là, ça me tente vraiment pas tantôt de devoir déblayer mon champ. Mais j'aurais pas le choix. Bonjour, donc aujourd'hui, vendredi matin, j'ai encore dû pelleter, ben pas pelleter, j'ai encore dû déblayer mon char. J'ai de la misère à parler, c'est pareil, je vais vous parler encore un matin. J'ai eu de la misère à déblayer mon char. J'espère que c'est une des dernières fois qu'il neige cette année, mais on sait jamais. Hein. Mais il annonce la neige dimanche, là, on est vendredi, mais il annonce pas autant de neige. Il y en a même pas beaucoup, là. C'est juste que je suis vraiment tannée qu'il neige, on va se le dire. Fait que là... aujourd'hui, j'ai fait, je travaille beaucoup dans mes produits autour du bain car on arrive au début du mois d'avril et j'ai des nouveautés qui vont sortir bientôt. Donc, je travaille beaucoup là-dessus. Je vais faire sûrement des photos, des choses comme ça. Mais avant tout, je m'en vais aujourd'hui faire mon tour chez Winners car je ne suis pas allée hier soir et d'habitude, j'y vais le jeudi soir. Donc, je vais vous amener un petit peu avec moi chez Winners. J'essaie d'avancer mon banc parce que j'ai les pattes très petites. Celles qui ne savent pas, je suis. J'ai fait 5 pieds 1 et 3 quarts. C'est important de le dire. 5 pieds et 3 quarts ou 5 pieds et 3 quarts? Je sais plus. Mais c'est ça. Fait que j'avance tout le temps mon banc pour que mes pieds touchent à mes pédales. Fait que je m'en vais de ce pas sur au Winners. J'ai hâte de voir si c'est glissant. Parce que hier, c'était vraiment glissant ces routes. Mais là, ça a l'air que ça a réchauffé et que c'est pas si pire. Fait que je vais aller au Winners avec vous dans ce vlog. Et je voulais prendre le temps de revenir sur le micro-needling que j'ai fait hier. Donc hier, c'était la cure à ma maman. On est à son quatrième traitement de micro-needling. Et elle, comme je vous disais, on travaille beaucoup, beaucoup les taches pigmentaires, mais aussi les rides, bien entendu. On veut travailler au niveau du tonus et essayer de limiter, pas de limiter, mais de réduire les rides. Fait que c'est ça. C'était vraiment un beau traitement. C'est pas nécessairement juste pour les femmes d'âge mûr ou la peau qui est plus mature. Les jeunes peuvent vraiment avoir des bienfaits. Excusez-moi, mes weepers font des gros bruits. Les jeunes peuvent vraiment avoir des beaux bienfaits en faisant un micro-needling. Soit si c'est des cicatrices d'acné, ça réduit beaucoup les cicatrices d'acné si on fait des traitements. Ça peut être vraiment juste pour donner un gros coup d'éclat parce qu'à la base, c'est une infusion de sérum. Donc, ça bouge, hein? Donc, c'est vraiment une infusion de sérum dans l'épiderme. Fait qu'on peut vraiment faire un beaucoup gros coup d'éclat avec l'acide hyaluronique, la vitamine E, la vitamine C pour l'éclat. C'est vraiment génial. Là, je trouve que ça bouge en titi. J'ai l'impression que je vais vous perdre mon sel. Il fait de tous les temps. Donc, je vais vous revenir après le Winners. Je suis finalement rendue chez Winners. On s'en va magasiner. Mais je pense pas vraiment dépenser. Hein. Aujourd'hui, ça va être vraiment une lèche vitrine. À moins que j'ai un gros coup de cœur. Ça va être de vous montrer ce qu'il y a. En fait, si on reçu des affaires autres. Tu sais, genre des affaires des belles marques. Je vais vous montrer ça. Je sais pas si j'ai acheté moi. On va voir. Mais entre-temps, il fallait que je vous parle. Faut qu'on en parle. Je sais pas vous dans votre ville si vous êtes pas de Rimouski. Mais pour celle de Rimouski, il faut qu'on en parle. Est-ce que vous avez remarqué que le gaz est au même maudit prix depuis environ 2 mois certains, là. Genre, il est 1,64,4 puis il bouge pas. Genre, d'habitude, là, genre, j'étais comme rendu habituée. Je comptais, là, aux 2 semaines, il montait il montait, genre, souvent 10 cents, ça fait dans ma une. Il montait beaucoup.
Puis à un moment donné, il a descendu, puis là, il a stagné à 64.4, puis il a pas bougé depuis 2 mois, la gang. 2 mois, là, je vous niaise pas. Je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si c'est moi qui check ça tout le temps, mais je regarde ça à chaque jeudi, parce que d'habitude, à Rimouski, ça augmentait le jeudi, le gaz. Le jeudi ou le vendredi matin, maximum, ça augmentait. Puis là, ben, ça a comme pas bougé depuis 2 mois, fait que genre, je capote ma vie. Genre, je dirais pas que je suis fâchée, je serais vraiment contente. Fait que c'est ça. J'ai hâte de voir la prochaine fois, ça me fait un peu peur. Je me dis, est-ce qu'ils vont monter full parce que ça a comme resté longtemps au même prix ou ils vont baisser un petit peu. J'ai hâte de voir. En tout cas, à suivre, je vais vous tenir update sur ça, si le gaz augmente ou il baisse. Fait qu'on va faire le tour aux winners! Donc, je suis de retour de chez Winners. Il y avait quand même beaucoup de choses, comme je suis désolée d'en parler, comme je vous ai montré un petit peu, j'ai filmé. Mais je me suis retenue. Je me suis retenue comme d'habitude. J'essaie vraiment d'économiser depuis un bon bout. Fait que j'essaie vraiment de me retenir quand je vais au Winners. Je n'achète pas autant qu'avant. Bref, je suis fière de moi. Parce qu'il y avait beaucoup de tentations aujourd'hui. C'est comme si vous avez vu ici. Je sais pas si je vais le mettre là ou je vais l'avoir mis avant, là, mais il y avait une rangée de produits la neige. Genre, c'est la première fois qu'il y a autant de produits la neige. Il y avait des masques de nuit, il y avait des lotions, il y avait des sérums, il y avait des ensembles de de masques pour les lèvres, mais plein de petits formats, genre les petits kits là, de voyage. Là. Il y avait les masques pour les lèvres en gros format, il y en avait deux, il y avait pamplemousse puis il y avait menthe. Chocomande, je l'ai déjà. Fait que j'ai pas racheté de masque pour de lèvres parce que j'en ai comme déjà trop à la maison. Fait que j'ai dit, il faut pas, j'en rachète. Mais c'est tout à tentant quand tu trouves ça au Winners, hein, parce que c'est moins cher. Fait que t'as envie d'en acheter. Mais je me suis retenue parce que j'en ai déjà beaucoup à la maison. Il y avait des produits de cheveux que j'aime beaucoup. La marque Brigio et la marque ben c'est Rusk, je me semble, que c'est comme des produits qui, lui que j'aime beaucoup, il sent la pomme grenade. J'ai manqué acheter la laque qui vient figer les cheveux, là, comme un spray net, très léger, qui sent la pomme grenade, ça sent vraiment très bon. Mais finalement, je me suis laissée tenter par quelque chose d'autre que je vais vous montrer. Je voulais acheter juste une chose. Je m'avais dit, je rentre là, j'achète une chose. À part si j'ai trouvé un cadeau pour mon amoureux, parce que ça fête bientôt. Mais j'avais l'intention d'acheter juste une chose. Fait que la laque, ça m'intéressait parce que depuis que j'ai essayé de couper le petit toupette, là, je sais pas si vous avez remarqué, je me suis fait couper un toupette rideau. Mais je me suis fait couper. Je me suis coupé, je veux dire, le toupette rideau. Écoute, ça ne me tentait pas d'attendre d'aller chez la coiffeuse. Puis j'ai checké les tutoriels sur YouTube. Ça, c'est bien moi. Quand je veux quelque chose, on m'aurait dit, il faut que je le fasse tout de suite. Fait que j'ai checké sur YouTube des tutoriels, puis je me suis fait un genre de toupette rideau, puis je suis vraiment contente. Je trouve ça fait vraiment beau. Fait que c'est ça. Je trouvais qu'à mettre des fois peut-être une laque dedans, ça pourrait faire que quand je les frise un petit peu, ils pourraient rester plus en place. Parce que comme aujourd'hui, il y avait de la neige quand je suis sortie ce matin, fait que là, ils ont comme tout dégonflé. Ils sont comme rendus tout plats. En tout cas, bref. Fait que trouvaille du jour pour le Winners. Je suis tombée en amour avec ce veston. Pas ce veston, j'ai tout un veston, mais c'est pas des vestons. C'est comme une petite veste verte. Je pense que je vais aller la mettre sur un support pour vous montrer où ça ressemble. Donc, ça ressemble à ça. C'est comme une petite veste manche courte. Puis je sais jamais comment on appelle ça, ce genre de tissu-là. Là, mais c'est comme un tissu comme... J'ai dit frippé, là, mais je sais pas comment ça s'appelle. Puis on s'entend que la couleur... En fait, ce qui a fait que je l'ai acheté, je vais vous l'avouer, c'est la couleur. J'ai vu du vert. Puis ça, c'est ma couleur, là, du printemps, c'est genre le vert. Là. Je dirais que la couleur que je tripe le plus ces temps-ci, c'est le vert comme ça, le orange, puis le rose flash. C'est comme mes trois couleurs de printemps. Fait qu'elle est quand même très longue. Pour pas vous montrer le carrette, là. Puis c'est en bas, elle a comme des petits... Elle ouvre comme ses côtés, là. C'est... Ou les hanches, comme ça. Puis elle était 30$. Fait que... Avouez que ça fait vraiment beau, le vert avec mes cheveux. J'ai vraiment hâte de la porter. Puis je pense que ça va pouvoir se porter dans plusieurs occasions. Tu sais, autant pour faire un petit peu plus chic. Je vois ça aussi avec un jeans... Tu sais, les shorts en jeans pâle avec, je sais pas, une camisole noire, une camisole blanche... Je suis sûre que je suis capable de l'agencer avec plein de choses. Ça pourrait juste être une petite robe en camisole noire en dessous, puis je mets ça par-dessus. Je sais que je vais le porter, genre, très souvent ce printemps et cet été. Genre, je capote. Je la trouve vraiment très, très, très belle. Je vais essayer de vous montrer la couleur. On va-tu mieux? Ouais, en tout cas, vous comprenez sûrement que c'est ce genre de vert-là. Je capote. Fait que je capote.
capote, capote, capote. Tu m'écris en commentaire toi aussi, tu la trouves belle. Moi, le vert comme ça, c'est ma couleur. Écris-moi, ça m'intéresse. Si ça te tente, écris-moi en commentaire, c'est quoi ta couleur préférée pour le printemps? Genre la couleur que ce temps-ci, tu vois ou que tu cherches dans tous les magasins parce que tu veux des vêtements de cette couleur-là. Genre, je veux vraiment savoir si je suis la seule que c'est ce vert-là, ma couleur favorite ce temps-ci. J'aimerais tellement ça trouver un vert de même pour les ongles, mais dans la collection de Luki, les vernis que j'achète, il n'y en a pas un vert de même. Genre, il y a plusieurs teintes de vert, mais il n'y a pas de vert comme ça. Pas de vert comme ça. Je sais qu'il y en a un dans la collection Le Manoir, mais bref, en tout cas, je m'abstiens de commentaires. Moi, je préfère énormément les vernis Luki, mais ils n'ont pas le vert comme ça. Fait qu'à un moment donné, j'imagine qu'ils vont en sortir un. Je vais sauter dessus aussitôt qu'ils vont le faire parce que je cherche un vert de même pour les ongles depuis longtemps. Fait que c'est ça pour ma petite tournée aux Winners. Après ça, qu'est-ce que j'ai vu? J'essaie de penser vite vite si j'ai vu d'autres choses qui étaient intéressantes aux Winners. À part les produits de la neige qui m'ont full surpris qu'il y avait. Attends un petit peu. J'essaie de penser. Mais il semble que c'est pas mal. Tu sais, vraiment en gros, là, si tu me demandes c'est quoi la trouvaille que j'ai vue. En fait, les affaires que je capotais aujourd'hui, c'était vraiment qu'il y avait un mur de produits de la neige. Je dirais que c'était vraiment ça. Vraiment, parce qu'après ça, tu sais, oui, j'ai été un peu dans les albums photos. Je trouvais qu'il y avait des vraiment beaux albums photos. Mais vraiment, je dirais que c'est la rangée là, des cosmétiques qui avait des belles choses cette semaine. Fait que je vous laisse. Je vais me faire à manger. Je vais me faire une belle sandwich avocat. Sûrement avocat, voyons. De la dinde, oui, de la dinde. Avocat, c'est-tu dinde? Poitrine de dinde? Tu sais, là, genre. C'est de la dinde, me semble. Oui, c'est de la dinde. Je vais mettre avocat, dinde, puis fromage Philadelphia, sûrement de quoi de même. Je vais vous montrer ça. Puis après ça, je pense que je me lance dans les photos pour mes huiles à lèvres que je lance au début avril. Je cherche encore comment faire mes photos. Je sais pas comment je vais les présenter. Je sais pas si je vais filmer avec vous pour ce moment-là. Mais je vais vous montrer mon dîner. On va faire ça ensemble. Fait que pour commencer, je vais prendre du pain. D'habitude, je prends le pain de cette marque-là, mais c'est tout garni, qui est comme les épices à bagel tout garni. Moi, je capote sur les épices à bagel tout garni. Si je peux avoir des bagel tout garni, des pains tout garni. Puis là, en fait, je suis chez mes parents aujourd'hui parce que j'avais des clientes ce matin en esthétique. Ma salle d'esthétique est chez mes parents, si vous ne savez pas. Car je suis en appartement. C'est ça, d'habitude, je prends du pain tout garni. Puis là, il en restait plus. Maman en ajoute aussi, mais là, il en restait plus. Fait que là, j'ai pris son pain 14 grains, là, comme ça, de même. Ça va être très bon, j'en doute. Sauf que c'est sûr que ça va être pas le même petit goût des petits guidis, là. C'est ça qui me gosse. Donc, il faut du pain. J'aimais souvent du fromage Philadelphia. Là, j'ai celui-là, ciboulette, fait que ça sera celui-là dans la sandwich. J'ai de la guacamole qui est déjà faite, que maman a acheté, qu'on va mettre dans le sandwich également. Et la poitrine de dinde. Je vais mettre aussi des slices de fromage suisse. Puis, je sais pas si je vais mettre d'autres choses. Je vous reviens, je vais faire réchauffer mes toasts. On va la laver. Puis peux-tu ouvrir le mien? Merci. Puis là, l'autre bord, ouais, l'autre bord, c'est non prémontré. Si je suis capable de tirer dessus. L'autre bord, c'est un chêne. Il est vraiment beau. Rebonjour, on est samedi matin. Je m'en vais faire des vidéos parce que de ce temps-ci, je travaille sur une vidéo promotionnelle pour la clinique en vue où je travaille. Je fais une vidéo promotionnelle sur une promotion qui s'en vient au début du printemps sur les lunettes solaires. Donc ce matin, je vais faire des prises pour ma vidéo donc avec une de mes amies et son petit chien Milo qui est un beau petit chien golden qui va être dans la vidéo. J'ai ma charmante maman et ma soeur qui vont participer aussi à cette vidéo. Donc on s'en va sur la promenade à Rimouski pour faire des vidéos. Fait que je vais essayer peut-être de vous montrer un petit peu à l'envers de quand je fais mes vidéos. Je sais pas si je vais filmer, mais je vais essayer de vous montrer peut-être des parties qui vont se retrouver dans la vidéo. Fait que je m'en vais chercher la maman et je m'en vais à la promenade pour faire ça. Puis aujourd'hui, on est vraiment chanceux parce que c'est une belle journée ensoleillée. Puis demain, il annonce de la neige. Fait que ça va être ça. On va passer vraiment une belle avant-midi pour faire des vidéos. Puis cet après-midi, mon amoureux, on va se promener. Faut même faire un tour dans les friperies. Puis ce soir, on va voir Alicia Moffett. Donc, on est vraiment énervé. On a hâte d'aller voir le show d'Alicia.
Puis je lui ai dit, j'ai acheté pour la fête à mon amoureux, c'est la fête à mon amoureux, je lui ai dit le 30 mars. Puis j'ai acheté, en fait, on va aller voir son rappeur préféré, Soldia, je me souviens jamais comment le prononcer, Soldia. C'est sûr, qu'on va voir son rappeur préféré, je lui ai dit, je vais l'amener au resto avant. Fait que ça, justement, en fait, on peut pas filmer à l'intérieur dans les spectacles, c'est ça qui est plate. Je peux pas vous montrer des parties et tout, mais je vous parlerai de comment j'ai trouvé ça et tout pour les spectacles. Fait que ma maman arrive, fait que on se voit tout à l'heure pour vous montrer un petit peu l'envers du décor de mes vidéos. Go. Aujourd'hui, j'avais deux clientes. Ben, j'en ai une que j'ai terminée. En fait, j'avais une cliente qui venait pour son épilation, comme à chaque 4 semaines. Et là, elle m'écrit d'urgence, genre, rush, fallait qu'on se dépêche parce que son chien avait attrapé un porc épic. Puis il y avait des pics plantés dans la bouche, genre vraiment partout dans la mâchoire, dans le palais, sa langue. Puis il fallait qu'elle ait d'urgence chez un vétérinaire. Fait qu'on a fait ça vraiment vite. Genre, j'ai plié ses jambes et l'intégrale en temps record. C'était un défi aujourd'hui. Mais on s'en est très bien sortis dans les temps. Donc, elle est à l'heure à son rendez-vous pour son petit chien. Mais son petit chien, c'est un grand chien. Mais pauvre chien. Des gros pics, là, de porc épic plantés dans la bouche. Dans la bouche, vraiment dans le palais, ça a de l'air. Il y a de la misère à fermer ma bouche. Pauvre petit. Fait que c'est ça. Puis là, deuxième cliente aujourd'hui, une de mes bonnes amies, Myriam, qui s'en vient me trouver pour faire sa pose d'ongles. Donc, je vais vous montrer le résultat final dans cette vidéo-ci de ses ongles qu'elle a choisi. Elle m'a déjà envoyé plein de photos, plein d'inspirations de photos qu'elle m'a envoyées. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va choisir ensemble. Parce que souvent, Myriam, elle aime ça de me donner carte de blanche. Elle me donne des idées. Puis après ça, elle dit, on choisit là-dedans. Puis en tout cas, bref, on se laisse aller dans tout ça. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'elle va choisir. Puis qu'est-ce qu'on va faire ensemble ce soir. C'est que je vais vous filmer ses beaux ongles en terminant pour vous montrer ça. Fait que je reviens tantôt! C'est la fête à Sam. Là, on s'en va manger où? Central Café. Et qu'on a mangé au Central Café, c'était délicieux. Là, on s'en va voir le spectacle de Soldia à la salle de Roy Pélus. Donc, je crois pas du tout pouvoir filmer. Donc, je donnerai des nouvelles en revenant. Mais notre souper était parfait. Vraiment parfait. C'était écœurant. Les frites au parmesan, là, c'est genre, si vous êtes de Rimouski et t'es jamais allé au Central Café, il manque quelque chose à ta vie. Fait que c'est ça, on s'en va voir le spectacle. Fait que je vous reviens plus tard. Bonjour la gang! Hier c'était vraiment incroyable le spectacle de Soldia. Ça a été lus pour elle. Si tu as la chance d'aller le voir en spectacle, puis que t'aimes le rap québécois, c'est vraiment le meilleur. Pour vrai, j'ai trippé vraiment. Mon chum était tellement content parce que c'est son rappeur préféré. Et c'était sa fête hier soir en fait. C'est pour ça qu'on est allé au restaurant et qu'on est allé manger. Qu'on est allé au restaurant pour qu'on est allé voir le spectacle que j'avais acheté des billets pour ce rappeur-là, pour son préféré. Fait que c'est ça. Ce matin, vendredi, j'ai eu beaucoup de commissions à faire. J'ai comme 1er avril arrive à grands pas, donc j'ai plein de produits pour autour du pain à préparer. Et je vais avoir des nouveaux sprays d'ambiance. Je vais avoir des huiles à lèvres que j'ai parlé dans mon dernier vlog que je sors le 1er avril. Et je vais avoir également un nouvel ensemble de bains, donc un nouveau rituel, que c'est le rituel taureau, si je me trompe pas. Oui, taureau. Donc, c'est le rituel taureau qui sort pour les signes astrologiques taureau. Même pour celles qui ne sont pas taureaux, c'est un très beau rituel à base d'orange, si je ne me trompe pas. Pas j'oublie, j'en fais tellement souvent. Il y a de l'orange, de la bergamote, de l'hibiscus, puis de la rose. Oui, c'est ça, pétale de rose. C'est un mélange de plein de choses, ça sent vraiment très bon.
Fait que c'est ça. Aujourd'hui, je m'en vais à la librairie Vénus trouver des pierres semi-précieuses pour mes rituels de bail. Et je vais sûrement faire, comme à l'habitude, mon tour et Winners. Et j'aimerais tester peut-être avec vous les nouvelles pizzas du team s'ils sont disponibles. Parce que je ne sais pas s'ils sont arrivés à Rimouski. Ils ont annoncé comme cette semaine, mais je ne sais pas à Rimouski s'ils sont encore. Ben en fait, s'ils sont arrivés. S'ils sont arrivés ce midi, je vais aller chercher une pizza au team et je vais vous dire ce que j'en pense. Ça me tentait de tester ça avec vous. Puis par la suite, je vais faire mes produits de bain. Je sais pas si je vais faire d'autres choses en vlogant parce que je dois finir toutes les affaires de comptabilité de autour du bain pour l'impôt. Qui, mine de rien, je devrais vraiment avoir terminé. En fait, techniquement, je pense avoir terminé. Fait qu'il faut vraiment que je me dépêche. Fait que je fais ça aujourd'hui aussi. Et si je vais faire un tour winner, je vous amène aussi avec moi pour terminer le vlog. Donc, le vlog va terminer dans cette journée de vendredi de plusieurs choses à faire. Fait que je vous traîne avec moi. Si vous êtes encore intéressé à suivre ce vlog-là, reste à l'écoute. On va faire plein de choses ensemble. Donc, petit update. Je suis allée au Tim Hortons avant dîner parce que je voulais me chercher un Tim glacé. Que je filais pour se glacer. Puis, j'ai demandé en même temps, parce que je me suis dit à midi si je veux retourner voir pour les pizzas. Je vais demander s'il y en a. Parce que je les voyais pas afficher nulle part. Puis, malheureusement, à Rimouski, celle de Rimouski, c'est pas arrivé. La fille qui est au team a dit, en fait, pour l'instant, c'est genre à Québec, Montréal. J'ai dit, est-ce que vous savez quand ça va arriver? Puis, elle a dit, j'en ai aucune idée. J'ai dit, ok. Puis, j'ai dit, est-ce que vous savez s'ils vont en avoir à Rimouski? Puis, là, je sais pas non plus. J'imagine que c'est de la pizza de Tim Hortons. Oh, ils vont finir par en avoir à Rimouski. Il n'y en avait pas. Bref, fait que j'ai pris un petit bagel. Les cartes fromage. Les meilleurs. Ben, j'ai pris pour me boucher un petit coin. Parce que je n'aurais pas du nouveau Tim Hortons à midi finalement. Je voulais vraiment aller pour la pizza. Fait que pas de pizza. Un peu dessus, j'arrive vraiment à goûter à la poulet parmesan. Mais à suivre. S'il y en a à m'amener, je vais vous le dire. Mais vous allez sûrement voir ça aussi un peu update. Tout le monde va se faire update, j'imagine, de voir c'est la pizza aussi. Mais il fallait que je vous parle. Il fallait que je dise dans ce vlog-ci que le gaz, ça faisait 2 mois qu'il augmentait pas pour qu'il augmente. J'aurais vraiment dû rien dire. Il a pas augmenté beaucoup, mais quand même de 5 sous. Genre, il était 1,64.4, puis là, il est 1,69.4. C'est quoi les chances que j'en parle dans mon vlog, que ça fait 2 mois, puis là, il augmente, en tout cas. Fallait que je vous le dise, le gaz a augmenté. Fait que, à suivre, j'ai hâte de voir si ça va continuer d'augmenter ou ça va stagner encore pendant 2 mois. J'ai hâte de voir. Je suis pas fine, je mange en face. Fait que, je vais aller à la librairie Vénus. Je suis allée au Winners. Il n'y a pas grand chose au Winners aujourd'hui. Je sais pas si on ne va pas placer des choses, mais. Il n'y avait pas grand chose. Fait que j'ai pas filmé grand chose. Là. Il y avait comme des petites tasses que je trouvais mignonnes. Je vais vous les mettre ici en vidéo. Qu'est-ce que j'ai vu? En tout cas, si je vois quelque chose, je vais vous le mettre ici en vous parlant. Qu'est-ce que j'ai vu, Winners? Mais il n'y avait pas grand chose. Fait que j'ai rien acheté. Mais là, je suis en train de penser que j'ai reçu un coupon du Rittman qui est bon du 28 mars au 28 avril, de quoi de même. Quand t'achètes pour 75$. Il t'enlève 30$ sur ta facture. Puis j'avais vu vraiment des belles choses, des nouveautés. Genre, c'est full coloré, c'est censé Winners. Et pas Winners, voyons, Rittman. Fait que je vais sûrement aller faire un tour, mais là, ça ouvre juste à 10h. Puis moi, je te lève tôt. Fait que là, en ce moment, il est juste 9h. Fait qu'on va voir. Je vais aller à Librairie Vénus. Ça ouvre à 9h30. Puis je vais sûrement aller faire un tour à Friperie, finalement. Je suis en train de me dire. Fait que je vous reviens tout à l'heure. Je vais vous montrer les pierres que j'achète pour les ensembles de rituels de bain. Fait que je vais à Librairie Vénus et je reviens. Donc, de la librairie Vénus, je vous montre les pierres que j'ai ici. En fait, pour le rituel, ça se peut que ça coupe, j'ai vraiment plus de place dans mon téléphone. Dans le fond, pour le rituel taureau, la pierre du taureau, c'est le quartz rose. Donc, c'est des pierres comme ça ici. Ça paraît quasiment blanc, mais c'est comme un petit peu rosé. Hein. Les quartz roses. Dans le fond, moi, ce que j'aime, dans le fond, quand je vais à Librairie Vénus chercher les pierres, il nous remet toujours une petite feuille avec l'explication de qu'est-ce que la pierre fait. Donc, le quartz rose, les vertus, c'est pour le calme, équilibre, qui équilibre les excès, aide tous les problèmes de cœur, physique, émotion, équilibre, le système nerveux et circulatoire. C'est que ça, c'est la quartz rose. C'est ici.
Après ça, il me fallait la jaspe rouge, car dans l'ensemble bélier de le mois passé, j'ai vendu des ensembles béliers, puis là, j'avais plus de pierres. Fait que c'est le jaspe rouge. C'est comme une pierre un peu, je dirais, quasiment orange brûlée. Puis elle, ils disent que ça améliore, en tout cas, ils disent plein d'affaires, là, améliore le système hormonal, ça peut être bien fait pour les, avoir des bienfaits pour les femmes après la grossesse, les fausses couches, la peur d'aider au niveau du foie, au niveau de la confiance, en tout cas, beaucoup de choses, mais en fait, eux, ils disent les propriétés, genre, générales, mais moi, je fais des recherches dans mes livres et tout, pour savoir quelle pierre est la meilleure pour quel signe, fait que, mettons, je fais un petit feuillet là, pour mes clientes qui achètent des ensembles. Fait que je leur explique vraiment ce que ça fait pour leur signe horoscope. Je vais vous montrer un exemple ici de ce que je mets dans la trousse pour qu'ils comprennent ce que la pierre fait pour eux. Fait que ça ressemble à ça. Je décris et tout. Puis, fallait que je vous montre. Je suis allée à la friperie. Et la friperie de l'Est. Et à Rimouski. Puis, il y avait comme... Je trouve tout le temps beaucoup de choses, mais c'est ça. Je suis quand même très raisonnable maintenant. J'avais vu un beau par-dessus, mais on aurait dit plus que je le regardais, plus que j'étais là, voyons, j'ai quelque chose qui ressemble à ça, fait que je ne l'ai pas acheté. Mais je suis tombée dans la section des bas en laine. Tu sais, les bas tricotés, là. Et j'ai pas pu résister à ces petits bas-là. Non, mais on va se dire, ils sont tombés mignons. J'ai des petits bas. Alors, bien sûr, vous comprenez que c'est pas pour moi, hein, parce que j'ai pas les pieds petits comme ça. Mais je les ai vus, puis je capotais, j'étais comme... Je peux pas les acheter, là. Impossible. Ça va être pour la première fille dans la famille, là. Genre, soit si ma soeur a une fille ou moi j'ai une fille, ça va être les petits bas, là. 3 piastres. Regardez comment ils sont beaux. Ils sont corail et mauve. Je suis tombée en amour en les voyant, là. Waouh. Je ne revenais pas. J'étais là, est-ce que je les agite? J'ai l'air niaiseux. Je suis pas enceinte, là. J'attends pas un enfant, vous comprenez? Je vous annonce pas que j'attends un enfant. Mais j'ai pas pu résister. Imaginez-vous si j'ai une petite fille, elle va porter ces petits chaussons-là, ou ma soeur, si elle a une petite fille, elle porte ces petits chaussons-là. Oh, je capote ma vie, je les trouve incroyables. Puis il y en avait vraiment des beaux là, pour les enfants, sérieux. Là. Fait que je capotais, là, genre, je me suis dit, oh mon Dieu, je pourrais revenir quand j'aurai un enfant. Tu sais, je voulais pas les acheter au début, puis je dis, oh non, Annie, tu les achètes. Fait que là, je les ai achetés. Ma trouvaille du jour à la friperie. Ils sont trop parfaits! Je capotais! Fait que c'est ça. Trouvaille aujourd'hui. Fait que je vous laisse sur ce vlog-ci. Là, je vais aller travailler. J'ai beaucoup de choses par rapport à l'impôt à terminer pour ma compagnie. Donc, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié ce vlog de mélange de routine, de spectacle. On a eu des spectacles avec mon chum. Mélange de plein de choses dans ce vlog-ci. Fait que j'espère que tu as apprécié ce vlog-là. Puis, je souhaite que quand on se revoit, le gaz n'aura pas augmenté encore. On se tient au courant là-dessus. Puis, si jamais la pizza de Tim Hortons a sorti, rendue à ce moment-là, je vous tiens au courant. Je vais vraiment goûter. Puis si jamais t'es de Québec, Montréal, que t'écoutes ce vlog-ci, puis que t'as goûté à la pizza, écris-moi un commentaire. Genre, je veux savoir, est-ce que c'est bon? Ça vaut-tu la peine? Je veux vraiment savoir. Fait que je te dis à la prochaine. Merci d'être à l'écoute. Puis j'espère que t'as aimé ce vlog-ci. Bye bye!